Désolé, ma puce. Ma femme ne m'a pas réveillée. Pour vos billets, il n'y a pas d'erreur possible. Hein. Ils ont bien été utilisés par Madame Blancard. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle se doute de quelque chose. C'est la première fois que vous venez en Corse ? La suite nuptiale en forfait week-end duo. C'est bien ça. Pardon, j'ai toujours eu envie de dire ça. Je m'inquiète pas. Hein. Je la connais, maman. À l'heure qu'il est, elle doit être au lit avec une tisane. C'est quoi ça ? J'ai pas l'impression qu'elle boive une tisane, là. Réveille-toi, il faut tout ranger, là. Oh ! Oh non, c'est pas possible. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis réveillée et il respirait plus. Je suis désolé, on n'a rien pu faire. Oh putain, c'est juste le dégrisement, garde à vue, la totale. Mais enfin, lâchez-la, mais c'est là, tranquille. C'est ma belle-fille. Alors, excusez-moi, madame, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Mon frère était un fêtard, un égoïste. Alors, pour assurer ma mère, je l'ai convaincu de s'inventer une petite amie. Seulement, maintenant qu'elle a mis un visage sur sa belle-fille idéale, on fait quoi ? Ça va aller. Oui, très bien. Enfin, très bien. Non, bien sûr, pas très bien, mais très bien quand même. Plus je te connais, plus je suis heureuse. Acceptes-tu d'être ma belle-fille ? C'est terminé, j'attends le bus qui devrait passer à... en juillet. Ça va pas du tout, hein. Elle lâche plus, hein. Moi j'en peux plus, elle a complètement pété les plombs. Tu m'as fait peur. Je ne me refais plus jamais ça. Elle a besoin du soutien de sa famille. Et sa famille, c'est qui ? Ben, vous. Mais non, c'est vous. Elle prépare une soirée pyjama. Je m'en occupe. Il n'y aura pas de soirée pyjama. Ça va, t'es bien installée ? J'ai pas les mots.